Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous. On va parler aujourd'hui de la série Vous et votre série préférée. La question qui a été votée dans le groupe Facebook, c'est pourquoi mon autre ne se sent-il pas à la hauteur? Dans votre lien, bien sûr. Et on va aller pour cela interroger le Shamanic Healing Oracle. Donc je vous montre la petite boîte. Moi j'aime bien les cartes qui sont à hauteur des mains parce que vous avez des cartes comme ça. Et j'en ai beaucoup de... C'est plus facile aussi à manier et puis à distribuer. Hein, voilà. Surtout à mélanger quoi. Donc voilà. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, malgré la période un peu difficile et le moral effectivement qui est un peu instable en haut et bas, ben ça va passer, vous inquiétez pas, ça va passer. Voyez que l'énergie est différente. Parfois, ben moi j'ai une petite voix, parfois j'ai une grande voix, parfois je suis en forme, parfois je le suis pas. Bon voilà, je suis un peu comme vous, hein, au niveau des énergies. On suit et je remarque bien, évidemment, sur moi que si je suis en joie de vivre, eh ben ça va beaucoup mieux. Et puis on a plus de dynamisme aussi et d'enthousiasme à vivre, voilà, à vivre sa journée. Et depuis le Covid, en fait, on est toujours en mode au moment présent, quoi. Chaque jour est un jour différent. Donc vaut mieux le prendre avec humour. Vous me connaissez maintenant, hein. Donc pour ceux qui arrivent voilà, et regardent la première fois cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification. J'ai aussi un compte Instagram où là je mets un peu plus de choses qui sont reliées à mon e-book énergie négative, à mon environnement effectivement de guidance et puis les protections. Je vous ai mis la pierre d'améthyste énorme que j'ai... sur ma table. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors votre autre, où il en est? Pourquoi il ne se sent pas à la hauteur? Votre autre, il a peur des changements. C'est quelqu'un qui doit avoir une certaine rigidité d'esprit, qui a du mal à sortir de sa zone de confort, qui a beaucoup de colère en lui et n'arrive pas à affronter la vérité. Alors, certainement la sienne. On a toutefois un mouvement, voilà, je le montre. Le mouvement, il se fait dans la transformation. Donc, c'est une guerre hein, entre sa part d'ombre et la lumière. On va dire plusieurs, je pense qu'il n'a pas qu'une seule part d'ombre. Que peut-être il a toujours écouté jusqu'ici dans la vie et... il est en train de faire un état, en fait, de sa vie dans le sens émotionnel. C'est-à-dire qu'il est en train de traverser quelque chose au niveau émotionnel qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas, puisque lui, il est plutôt dans le mental d'habitude. Donc, voilà, on l'invite à procéder à des changements dans sa vie, parce que sinon, il va rester un peu stérile. Dans cette rigidité, dans cette zone de confort dans laquelle il a des repères qui le rassurent, mais qui aujourd'hui arrivent à son terme. Tout ça, ça arrive à son terme. On est vraiment dans une clôture de cycle. Et on lui dit que c'est le bon timing divin pour le faire. C'est quelqu'un aussi qui, malgré tout, a des capacités psychiques, une intuition assez développée pour... affronter cette traversée pour devenir un signe, voyez. Il a des bases en lui. Peut-être qu'il n'en a pas conscience. Il a des bases déjà psychiques d'intuition. Il peut s'écouter lui-même. Il peut faire confiance à son intuition. C'est un peu ce qu'on lui dit ici pour aller vers cette lumière. Peut-être qu'il a fait confiance aux mauvaises personnes. Voilà, aux mauvaises personnes. Ou soit il s'est menti beaucoup à lui-même, qui fait que il n'a jamais été la vraie personne qu'il est réellement. Il a toujours porté des masques. Pourquoi? Parce que il est obligé de passer par cette phase de renaissance. Il est obligé de mourir pour renaître. Comme la chenille devient
papillon, on a vraiment un effet de transformation en lui, et c'est nécessaire. Il sait que, effectivement, pourquoi ben, il ne se sent pas à la hauteur de votre lien, de ce que vous attendez de la relation, c'est parce que justement, il se sent ben, pas apte, pas le bon candidat pour justement être à la hauteur. Il a des capacités pour lui, il n'a pas confiance en lui, il sait qu'il doit passer par cette phase et que ben, c'est pas si simple que ça pour créer le renouveau. Pouvoir vous prouver aussi que s'il revient, ben, cette fois-ci, c'est pour quelque chose de neuf, hein, quelque chose qui soit sur de bonnes bases. Bon, on va dire que l'intention est bonne, dans la mesure où il veut vraiment changer sa propre personne. C'est ce qu'il n'avait pas, on va dire, conscientisé. C'est que c'était pas seulement la faute des autres, c'est que tout vient de lui en fait. Tout vient de lui. Il a créé cette situation d'instabilité parce que ben, c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans l'ombre, donc avec ses peurs, et ben, a créé du coup des situations négatives toujours autour de lui. Donc on l'invite ici à accéder à un niveau. Ben, supérieur parce qu'il est toujours dans des énergies basses et que voilà, il s'est coincé tout seul en fait. Il s'est coincé dans cette on va dire auto-sabotage parce que je pense qu'il est vraiment responsable on va dire 80% hein, de toutes les décisions et on va dire les mauvais choix qu'il a fait vis-à-vis de votre lien. Il l'a écarté pour de mauvaises raisons. Et le fait qu'il est conscient qu'il doit se transformer, c'est que vous lui avez ouvert les yeux sur la guérison et sur le fait qu'il doit travailler lui. Ici, effectivement, hein, c'est vraiment. On est en train de plonger, en fait, votre autre, il est en train de plonger dans. Un nouveau moi, on va dire, un nouveau moi qui lui offre des possibilités infinies pour envisager une nouvelle vie, envisager un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle pensée, d'autres repères, de créer d'autres repères pour justement être lui-même. C'est un peu son cheminement en ce moment, c'est qu'il essaye. Tant bien que mal, parce que pour vous, c'est peut-être facile, mais lui, pas du tout. C'est vraiment aller contre sa nature. C'est quelqu'un qui obéissait à ses parts d'ombre, n'oubliez pas. Donc, si c'est quelqu'un de toxique, ça va obéir effectivement à ce côté énergie de diable, hein, comme je dis. Et bah, ça fait du mal, ça détruit. Et puis, peut-être même peut-être par plaisir. Hein, ça va jusque-là, la toxicité, elle peut aller très très loin. Ici, tout le monde n'est pas toxique, évidemment. J'ai l'impression qu'on a un message aussi par rapport à son énergie qui était portée sur le charnel. On lui dit de passer de cette énergie charnelle à, voilà, à écouter plutôt ses pulsions et axer ses relations, ses liens, pardon, sur la sexualité et de passer au masculin divin. Masculin sacré. Alors vous interchangez, hein, bien sûr, moi je dis il parce que je suis une femme, mais votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez, bien sûr. Donc ici, voilà, on l'invite vraiment à devenir un homme. C'est comme si on a un ado, on lui dit, ben maintenant passe au-dessus. Sois un homme. Sois un homme, assume qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu traverses. Voilà, c'est pas un hasard, ce que tu traverses, c'est le timing divin. On lui dit, c'est maintenant ou jamais. Et ça se rejoint effectivement avec les guidances précédentes que je vous invite à aller regarder. Il y a une certaine continuité dans ces guidances. Donc on lui dit, laisse tomber, lâche prise, et puis d'aller dans l'énergie de guérison. Donc voilà, c'est très. Il y a une conscience, voilà, il y a une prise de conscience. Et il sait qu'au bout, qu'est-ce qu'il va gagner?
c'est la réunion avec vous. Donc, des âmes, la réunion des âmes. On ne rigole plus, on ne porte plus de masque. Quand on s'y retourne vers vous, ben ça sera au bout de toute cette transformation, ça peut être long, mais il y a une prise de conscience aussi que vous êtes la bonne personne pour lui. Alors là, on parle d'âme, donc ça, que ce soit un lien d'âme-sœur ou flamme jumelle ou autre relation, il a conscience qu'il est passé à côté d'une vraie relation, une vraie relation d'amour. Il n'était pas prêt. En fait, le message, c'est que ça vous indique qu'il n'était pas prêt. Il ne se sentait pas à la hauteur parce que il avait des choses à travailler sur lui et qu'il n'avait pas conscience des actes, du comportement qu'il a eu avec vous. Je sais que ça paraît invraisemblable pour vous, mais c'est quelqu'un qui a été programmé par son mental pour agir de cette manière, répétitive, avec ses croyances limitantes. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, ça y est, la porte à la guérison, elle est ouverte. Et il est dans ce processus de « je meurs pour mieux renaître ». Il est obligé de toucher le fond. C'est une personne qui est comme ça. Il doit toucher le fond pour remonter, pour devenir papillon. Donc il faut lui laisser le temps, effectivement, si vous tenez à votre autre. Hein. Après, je sais que dans mes abonnés, les personnes qui me suivent, vous êtes passé à autre chose. Mais il y a beaucoup de personnes qui se disent être passées à autre chose, on va dire, physiquement, concrètement, mais dans la tête, cet autre, il est toujours là. Il est toujours là, dans votre tête aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose aussi qui montre que ce lien, ben, voilà, c'est pas un lien par hasard. Hein. Donc, il faut déterminer, effectivement, selon votre situation, quel est le profil de votre autre, avant de prendre ce que je vous dis, pour vous. Donc voilà, ben là, vous avez la réponse à la question. Pourquoi il ne se sent pas à la hauteur? C'est qu'il y a vraiment un cheminement, un travail sur lui de développement personnel, mais aussi de connexion à son âme, qui est vraiment nécessaire pour créer la réunion. Voilà, ben j'espère que vous avez aimé le tirage. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter comme d'habitude. Si vous souhaitez une guidance personnalisée à vos énergies, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo, dans le descriptif, vous avez toutes les infos. Vous allez recevoir un mail automatique qui va vous indiquer les instructions. Et puis, voilà, j'ai un petit peu de retard au niveau des guidances, mais je fais toujours au mieux et au plus rapide selon vos disponibilités aussi également. Donc voilà, eh bien je vous remercie beaucoup énormément de votre confiance, de votre soutien. Et puis je vous envoie comme d'habitude beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Bye bye !